Christian Tissier is a French Aikido practitioner, one of the very few non-Japanese in history to have reached the title of 8th Dan Shihan. He started Aikido at the age of 11 and is now one of the biggest influences in the international Aikido community. Willing to get to the roots of his art, he embarked in the Trans-Siberian train at the age of 18 for a journey to Japan and started to train at the Akikai Honbu Dojo, where he stayed 7 years, honing his skills and learning the language and culture of Japan. Now, at the age of 67, he gives seminars all around the globe throughout the year, including Japan. It is on one of those occasions that he offered us the opportunity to sit together in the legendary Butokuden of Kyoto to talk about his personal relation to Aikido for over an hour. Dans des interviews précédentes, tu as parlé rapidement de télé ou de mannequinat. quelle était l'image des Japonais de l'époque, comme il y avait très peu d'étrangers? Dans une interview avec quelqu'un qui vit ici depuis 30 ans, mais qui arrivait plus tard, il me disait, parfois au Japon, on reçoit beaucoup d'attention, parfois voulu, parfois on s'en passerait bien. Oui. C'était quoi ton sentiment à l'époque? Alors, c'est vrai que, bon, Tokyo, ça allait encore, mais dès qu'on sortait du Japon, on rentrait dans un restaurant, c'était ah guys, tiens, il y a des étrangers, donc c'était, on sentait qu'on était un peu à part. Après, bon, sont des choses qui ont disparu, les choses sont devenues peut-être plus simples. Bon, maintenant évidemment c'est beaucoup plus simple. Alors le sentiment pour un immigré, j'étais un immigré quelque part. Occidental au Japon, la vie est facile quelque part. On nous pardonne beaucoup de choses, dans toutes les erreurs qu'on peut faire, dans les choses de la vie. On sait jusqu'où on peut aller. Quelquefois, on en profite un peu trop, hein, parce qu'on est on est gaijin, donc on sait qu'on peut jouer un peu là-dessus. La vie est plus facile parce que bon, les gens sont gentils au Japon d'une manière générale. Ils sont toujours à votre service. Il y a pas trop de choses péjoratives, même s'il y en a eu quelquefois, hein. Ça arrive quelquefois, hein. C'est normal, hein. Dans notre comportement, quelquefois, on n'est pas exactement comme il faudrait être. Rassurez-vous, hein. Les Japonais qui viennent en France, ils sont pas comme il faudrait être non plus, hein, qu'ils le sachent, hein. Okay, ben, c'est pas facile non plus, hein. Voilà. Mais globalement, c'est assez facile, quoi. Ça me rappelle, par exemple, on avait un ami qui était venu aussi, je sais pas pour l'aïkido, mais bon, pour autre chose. C'est un Vietnamien. Il s'appelait Cécillon. Il était petit, Vietnamien, mais vraiment Vietnamien, ok. Et il parlait pas bien japonais. Et quand il rencontrait quelqu'un, il disait, je suis français, il disait, ah, oh, vous ressemblez à Alain Delon. Alors, s'il y avait bien quelqu'un qui ressemblait pas à Alain Delon, c'était bien lui, oui. Bon, ça y est, on l'avait catalogué, quoi. Il était français, il ressemblait à... C'est un peu l'image qu'on a quelquefois, hein. Bon, donc c'est pour ça, la vie est assez facile quand même au Japon. Du coup, dans les expériences négatives, il y a des choses qui t'ont... Bah, les arts martiaux, on sait que c'est lié d'une certaine manière, toujours un petit peu, mais peut-être plus à l'époque, à des milieux nationalistes ou à des pensées... Alors, oui, ça c'est ce qui m'a surpris au départ, parce que... Quand je suis arrivé au Japon, les gens me demandaient comme ça, surtout dans les gens que je rencontrais au lycée franco-japonais, etc., des familles qui avaient mis leurs enfants dans la section japonaise du lycée franco-japonais, donc Gyosei, l'étoile du matin, qui étaient des gens plutôt d'une classe relativement aisée, hein, et plutôt cultivée, donc assez d'avant-garde à l'époque. Hein. Quand je disais je viens faire de l'aïkido, mais ils me regardaient, mais l'aïkido? C'est bizarre parce que alors je parle pas du karaté parce que là c'était vraiment le truc qu'ils pouvaient pas comprendre, quoi. C'est un truc d'avant-guerre, c'est un truc nationaliste, hein, c'est quelque chose, ça rentrait pas dans leur cadre. J'aurais dit je viens faire du théâtre par exemple, ah oui je comprends. Donc moi je comprenais pas parce que moi j'étais fier de, alors qu'on me prenait pour une bête curieuse de venir faire un truc qui, il y avait des réminiscences comme ça un petit peu qu'il n'y avait pas en fait dans l'aïkido, enfin globalement, hein, on en a vu, mais bon, c'était pas trop le truc. Après, dans le kenjutsu, c'est un peu différent, dans le kendo, beaucoup plus, alors en karaté, complètement, quoi.
Là, mon ami Lilou, là, qui est là pour le stage, pareil. Bon, lui, ça a été beaucoup plus dur pour lui parce que forcément, il y avait ce côté du pont, et ça, c'était un peu plus dur. Qui n'était pas dans l'aïkido, mais qui était sensible chez les gens. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Du coup, t'as pas eu trop de mauvaises expériences avec l'aïkido? Il y en a eu. Ça m'est arrivé quelques fois, même dans le cadre de la pratique. Hein. Bon, pas trop en budojo, mais au budojo aussi. Hein. Quelquefois, c'était un petit peu. Il y a des gens qui m'aimaient pas. Enfin, qui m'aimaient pas. Pas moi en tant que personne, quoi. Mais bon, voilà, fallait me montrer que. Même quand j'étais quatrième dan, que je tournais plutôt bien, si je discutais avec un premier dan comme ça, quelque part, qui m'avait pas vu Rombu Dojo, je fais de l'aïkido, vous faites de l'aïkido. Oui, vous êtes quel grade? Je suis quatrième dan. Et vous? Moi, je suis premier dan. Ok. Et au bout de cinq minutes, il m'expliquait l'aïkido parce que je pouvais pas le comprendre. Enfin. Il en reste quelques-uns, même encore aujourd'hui. Voilà, j'étais quatrième dan, mais voilà, c'est pas pareil, quoi. Non, ça a changé quand même. Oui, non mais ça a changé. Rare. C'est vraiment très rare, mais ça peut arriver. Ben c'est bien, oui. Bon, là, je suis au Japon. C'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. Au Butoku Dance. Non mais. Je pense que ce dojo voit pas beaucoup d'étrangers passer en tant qu'enseignant. Oui, mais ce que je veux dire, il y en aura certainement d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé au Japon, même quand je suis parti du Japon, même quand j'étais sixième dan, dire au Japon, je vais donner un cours dans un dojo, oui, mais. Arriver à dire voilà faire quelque chose bon voilà quoi c'est autre chose je veux dire bon donc les mentalités ont changé le regard d'une manière générale même des enseignants japonais par rapport à certains ont changé enfin a changé je veux dire et ça c'est enfin de mon point de vue c'est peut-être une des choses les plus importantes qui a pu se passer dans ce pays, au point de vue des arts martiaux, quoi. À quel moment dans ta vie tu t'es réalisé que peut-être un jour tu serais huitième dan ou tu pourrais enseigner? Ça a jamais été un objectif ni un rêve parce que je pensais pas que. Alors je l'ai déjà expliqué ça. Il y a encore des, enfin encore récemment, enfin quand je dis récemment, 7, 8, 10 ans, je me posais la question. Je crois que je voulais être 8e dan, c'est pas le problème. Est-ce que c'est possible déjà? Mais est-ce que le pas va être franchi? Voilà. Alors, oui pour des gens qui pourraient avoir 85 ans, 90 ans, enfin je veux dire, bon, ça a été le cas, pour des gens tout à fait estimables, je veux dire, Hawaï par exemple, ni japonais, ni américain, l'aïkido commencé dans les années 50, avoir invité au sensei en plus, la première fois qu'il sortait du Japon, donc voilà, des gens qui sont restés en aïkido très longtemps, donc à un moment, oui, c'est normal. Après, moi je me considère pas, de la même manière, parce que bon, je suis plutôt contemporain, plutôt jeune, enfin, je veux dire, même si j'ai dépassé l'âge, il y a toujours, enfin, on est toujours dans, c'est la jeunesse, quoi. Donc, le verrou sauterait, j'en savais rien. Pour moi, le premier verrou qui a sauté, c'est le sixième dan. Voilà. Je me doutais que je serais sixième dan un jour, mais c'était le premier verrou parce que c'est arrivé normalement, je veux dire, on m'a pas fait attendre. Pas plus que les autres. J'ai suivi exactement le même cheminement. Je pense qu'on a été ensemble quatrième année avec Miyamoto Sensei la même année, je crois. Enfin, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, c'est certainement possible. Bon, après, il y a eu un peu d'avance qui a été prise parce que bon, c'est normal. Les Uchideshi, à un moment normal, ils sont professionnels de l'aïkido. Mais bon, j'ai eu le cinquième dan. 5 ans après, je suis sixième dan. Quoi. Voilà. Bon, c'est le délai minimum. Donc voilà, c'était un verrou déjà qui avait sauté, quoi. Septième dan, moi aussi. Pour le septième dan, ça s'est passé, c'est un peu logiquement, enfin, Yamato Sensei voulait me donner le septième dan un peu avant, mais pour un ensemble de raisons, ils ont été obligés de mettre des délais. Et 12 ans entre le sixième et le septième dan, voilà. Donc voilà, donc il fallait que j'attende pour ces délais, mais donc c'était le délai minimum, voilà. Après,
j'ai réfléchi, bon, je me dis, bon, enfin, pas tout de suite, hein, bon. Et, bon, le délai minimum, en général, bon, je regardais Endo-sensei, entre 7e et 8e dan, c'est 18 ans. Bon. Bon, je dis, peut-être, si un jour je suis 8e dan, il faudrait que j'attende 25 ans, peut-être, ou 30 ans. Puis finalement, ça a été 18 ans aussi. Donc, quelque part, voilà, il y a quelque chose qui a changé. Alors, je sais pas si c'était déjà dans les cartons, du Dōshū, de l'Aikika, et j'en sais rien. Mais je trouve que ça a été bien fait. Ça a été fait, intelligemment, bien fait. Et tu penses pas que c'est aussi une certaine reconnaissance, qu'ils reconnaissent que tu sois issu de la formation du Hombu Dōjō? Ça, il faut de l'Aikikai en général. Il faut leur demander. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que mon sentiment à moi, c'est que je suis dédié à la famille Ueshiba. Ok. Et la famille Ueshiba le sait. Ils le savent. Voilà. Il y a une fidélité. Et ça, c'est quelque chose qui tient plus de mon éducation au Japon que de mon éducation en France. On devrait avoir cette fidélité. D'accord? C'est souvent plus difficile chez nous. Ok? Alors, c'est pas une fidélité aveugle, hein, si, ce qui sera pas le cas, mais si à un moment, on sait jamais, on est fidèle à quelque chose, puis ça correspond plus vraiment à... dans ce cas-là, on dit stop, on arrête. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je pense que c'est important pour le Dōshū de savoir ça. Il en est conscient. Donc, je pense qu'il prend pas le risque de galvauder quelque chose. Et maintenant, ma responsabilité, c'est justement de faire en sorte que, voilà, ce soit sur les rails et ça reste sur les rails. Par ton expérience que tu avais du Japon pendant que tu y étais et la manière dont étaient traités les étrangers, etc., tu pensais que le Japon arriverait un jour à s'ouvrir comme ça ou... Je me suis jamais posé la question, en fait. Pas posé la question. Non, mais je me suis jamais posé la question parce que... Alors, peut-être parce que j'ai pas d'imagination, mais parce que, voilà, quand je suis arrivé, les choses étaient comme ça.